Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Pokémon Argent. On avait commencé l'arène l'autre fois, on va la continuer. Je ne sais plus du coup ce que c'était. Pokémon est plus près l'été, l'hiver, lorsque le printemps revient. Nous avions passé de longs moments ensemble. Ok, bon, j'ai pas eu le début de la phrase, mais c'est pas grave. Mais ouais, j'étais en train de me dire, je crois que c'était Poison Spectre, c'est ça? Je sais plus. Ouais, Spectre, ok. Alors, on avait du coup Pelouir en tête. Je ne suis pas sûre qu'il fasse vraiment le taf, quoique je crois qu'on pouvait les hypnotiser, hein, il me semble. Il m'attaque en premier par contre. Ouais, non, ça va, ça passe. Ouais, non, ça les affectait pas. Bon, j'aurais dû changer de Pokémon, c'est pas grave. Du coup, Titan, il me semble qu'il a morsure. Hein. On l'avait pas encore vu, donc on va le mettre en tête. Alors. Ah, ça fait quand même mal son truc. Morsure, hop. Et essaie de m'identifier, tant mieux, écoute. Bon, c'est pas grave, au pire, si je peux pas m'échapper. Niveau 22, ça passe, quoique je lui fais pas beaucoup de dégâts. Encore une attaque et je pense que... Ah, quoi, ok. Des malédictions, ok. Par contre, oui, il m'a empêché de partir, je pourrais pas changer. Quoique, je sais plus si lui s'en va. Ah bah... Monte niveau 2, ok. Ah bah c'est bon, il en avait qu'un. Ok, bon, c'est finalement ça s'est bien passé. Du coup, alors attends. Dans la lignée. Non, je me suis plantée. J'aurais dû partir de l'autre côté. Hop, tac, voilà. Ouais, j'aurais dû partir face à lui, comme ça. Et voilà. Hop, ça sera la dernière avant l'autre. Enfin, avant le champion. Et je pense qu'on ira faire un petit tour au centre Pokémon avant. Allez, mémé. Ah, elle en a 3 par contre. Bon, après, ceci dit, les petits fantominus, je dis pas, ça passe. Par contre. Ah, quoi qu'il a choc mental, Pidovir, j'avais oublié, c'est vrai. Et ça fait mal au spectre aussi. Il me semble. Ouais, ouais, j'avais complètement zappé. Ok, bon, tant mieux. Donc, on va faire avec jusqu'à ce que. Il me met KO en fait. Ce sera toujours ça. Et après, donc le champion. Par contre, le champion, je suis pas sûre de réussir à le passer. On verra bien. Alors, hop, Edin. 3, tac. On va laisser Péovir. On verra après. Du coup, alors, choc mental. Et je crois que. Oh, je survis. Est-ce que je pourrais lui donner une potion? Est-ce que j'ai des potions en fait? Qu'est-ce que j'ai des super potions? Il me semble que l'autre fois, je suis allée en acheter. Attends, sac. Potion. Super potion. Oui, j'en ai. On va faire ça. Oh, j'ai même des rappels, je viens de voir. J'avais zappé. M'a tant mieux. Allez. Vas-y, fais ton léchouille. Voilà, tant qu'ils font des léchouilles, ça va, ça passe. Oh non, il m'a... C'est pas grave. Allez, on va l'achever. Et il me fait vite descendre, n'empêche, on dirait pas. Mais... Ils font mal un petit peu leur léchouille, vite fait. Allez. Par contre, je vais changer Pelobir. On va mettre. Zut, j'ai oublié son nom. Voilà, Titan. On va mettre Titan. Allez, on va pas être cruel quand même. Allez, tu changes. Voilà. Alors, du coup, morsure. Ah, c'est vrai qu'il était un peu affaibli déjà de base. Oh, c'est bon, ça va. Au début, je me dis, ça va, ça lui fait mal. Il va pouvoir encaisser une deuxième attaque. Mais finalement, il l'a mis KO d'un coup. Tant mieux. Hein. Bon, on va faire un petit tour, aller-retour au centre. Voilà, je suis revenue ici. On va pouvoir aller tenter, du coup, lui, là. Et je me dis, au pire, si j'arrive pas à le faire, bon, il faudra que je fasse les super des Pokémon. Je le ferai hors caméra, bien sûr. J'ai coupé le centre parce que c'était pas intéressant non plus. Mais si j'arrive pas à le faire, si mes Pokémon sont pas assez forts pour ça, ben, on ira, en fait... la dernière fois, j'ai été, je crois, c'était dans une tour où j'ai cru que je m'étais coincée, enfin, coincée... Que je m'étais engagée dans un truc, je pouvais pas sortir, il fallait que je traverse tout le truc, finalement j'ai pu sortir. Mais je me dis que j'irai là-bas. Je sais plus s'il y avait des Pokémon, mais en tout cas on explorera ça si
à défaut que j'arrive pas à faire ça. On va voir. Bon, lui, il commence avec malédiction. Ok. Par contre, je pense que là, je vais le tuer et je vais faire un switch avec Titan pour enlever malédiction. Je crois que je peux le faire comme ça. Je sais pas. Je suis pas sûre, de toute façon, en plus. Hop, il passe niveau 21. Ah, il en a 4, j'avais pas fait gaffe. Alors, on va changer. On va mettre Titan. Je crois que je peux le changer, de toute façon. Ouais, donc ça, c'est bon. Et là, on va pouvoir attaquer. Hop, morsure. Et ils sont niveau 21, ça va, ils sont pas très forts. Bon, après, tu me diras. Par contre, s'ils me font tous, en fait, malédiction de base, ça va être facile, quoique là... voilà. Allez, encore une petite. Si. Oh merde, il m'endort. Non. Oh, est-ce que je change maintenant ou est-ce que je tente? Ouais, non, il va mourir. Allez, on change. C'est pas grave. J'ai deux Pokémon qui peuvent faire mal. Et quoique, est-ce qu'il va essayer de m'endormir? Je suis pas sûre. Il me fait ténèbres. Ça devrait quand même me faire mal. Ouais. Mais je peux attaquer. C'est le principal. Ouais, c'était ma crainte. Bon, eh ben, il va falloir faire des potions, je pense. Bon, là, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'attende. Je vais laisser quand même m'affaiblir un petit peu pour faire une potion. Parce que sinon, c'est bête. Et donc, sac. Potion super. Moi, il me faut une super. Voilà. Ici. Pec. Allez, c'est moi qui ténèbres. Chac. De toute façon, je peux pas attaquer. On va attendre. Ça fait deux tours, je crois, qu'il dort. Il va falloir que je refasse une potion jusqu'à ce qu'ils veulent bien se réveiller. Voilà, voilà. Comment user ces potions? Ah, ça y est, il se réveille. Parce qu'en plus, c'est con, il est juste dans le rouge en plus. Une petite attaque et c'est bon, c'est fini avec celui-là. Je crois que c'était le troisième, il n'y en a plus qu'un. Et ça devrait être bon. Ah non, deux, je pensais que... Ah, par contre, c'est un ectoplasma, je vais voir. Ça va être un petit peu plus... Ah, ouais, niveau 25, je l'aurais jamais. J'essaie même pas de me battre parce que c'est mort en fait, c'est sûr. Niveau 25, quoique... Attends. Ah ouais, non, j'allais dire, j'en ai peut-être un plus fort, mais non. Titan, il fait dodo, mais on va quand même l'envoyer. Ouais, je pense que mon équipe va y passer, en fait, là. Je m'étais dit qu'à un moment, je vais en trouver un, peut-être, ouais, niveau 25. Et en effet, c'est le cas. Et ouais, il va falloir qu'on fasse XP les Pokémon, ça sera pas pour tout de suite le match. Tant pis, c'est pas grave. On va essayer un massacre. On voit Marestre d'ailleurs au passage. Pistolet ou hypnose, ouais, c'est surtout avec ces hypnoses là qui sont chiants. Moi je peux pas leur faire en plus, ça marche pas. Oh là 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 là. Oh, il se réveille déjà, ça va. Ouais, on lui fait rien. C'est pas bien grave. Tiens quand même le coup, Marest, hein. Mais ce sera pas suffisant. Allez, allez, voilà. Après, de toute façon, je pense que je vais les envoyer à la file parce que je peux pas faire grand chose là. Éclair. Et je les endors tous, hein. Je ferais bien une sieste, moi aussi. Hein. Ça me donne envie de dormir. Toutes ces hypnoses. Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai pas suivi. Il peut me voler ma vie dans mes rêves. Je savais pas. Ok, je viens d'apprendre un truc. Vas-y, prends mes trois derniers petits PV. Après tout, hein, on en a jamais assez. Allez. Du coup, Rachel. Je sais plus si on pleure, ça peut les atteindre, je sais pas, de toute façon. Oh, ça l'affecte pas. Première nouvelle, je savais pas.
Est-ce que Rachel va nous sauver le truc? Est-ce que je peux faire en pleurs? Attends, je vais essayer. Oui. Ampleur 6. Ah si, ouais, je peux faire des ampleurs. Non, on va essayer de faire ça. Ça se trouve, Rachel va nous sauver le combat. Attention. J'ai pas vu ce qu'il a essayé de me faire, par contre. Est-ce qu'il a voulu... Ok, on a réussi à le passer. Ouh, on veut apprendre destruction. C'est une bonne attaque, mais non, je suis désolée. Moi, destruction, je suis pas trop pour. Je préfère garder mon Pokémon. C'est mieux pour combattre. Spectrum, encore. Quoique... Ouais, si, on en a déjà vu un au début. Ah, donc, l'ectoplasma, c'était son plus fort. Ok, d'accord. Bah, je pense... finalement qu'on va y arriver. Qui l'eût cru? Rachel nous a sauvé le game. J'aurais jamais pensé. Alors. Allez, un petit dernier et on a gagné. Un pack. Bah, génial! Je ne suis pas encore assez bon. Je ne vois rien. Il me faut des lunettes. Bon, allez, ce badge est à toi. Yes, on a gagné. Bah, comme quoi, Rachel est à l'honneur aujourd'hui. Elle nous a fait gagner. Bravo! J'y croyais plus quand j'ai vu l'autre niveau 25. Niveau 50, t'obéiront. Ouais, bon, ils sont loin du niveau 50. Faudrait quand même que je les fasse exprès un petit peu parce que là, j'ai eu de la chance, je pense. C'était 30, c'est quoi? C'est une ombre balle. Oh, c'est cool ça. Et est-ce que je peux la prendre à Pédobir du coup? Parce que ça serait utile. Tu veux voir? Je vais voir ça tout de suite même. Quoi qu'il est KO, je suis pas sûre. Ombre balle. J'ai point glace. D'où je sors celui-là? J'ai des attaques que je... Oh oui, je peux lui apprendre, c'est cool. Ça lui fera une attaque spectre. Ah, attends. Non! Putain, j'ai enlevé quoi? Ah, écrase face, ça va, ça peut passer. Et après, ombre balle. Il faut vraiment que je prenne l'habitude. Je crois que c'est pas la première fois que je me fais avoir comme ça. Hein. Il faut vraiment que je prenne mon temps sur ce jeu. Mais bon, écrase face, ça va, c'est pas bien grave. Bon, et ben on a eu ça, on va faire un petit tour au centre et je pense qu'on va quand même aller visiter un petit peu cette tour là qu'on avait commencé l'autre fois, voir un petit peu ce qu'il y a. Je pense qu'il y avait des Pokémon il me semble, hein. Mais je sais pas trop ce que c'était. Je sais même plus si j'avais lu la pancarte au début. On va aller voir ça. Oui, lâche-moi. On va changer aussi les Pokémon. Pédobière, tu vas laisser ta place un petit peu. Non, je vais y arriver. Rachel, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Hop, et bah tiens, on va remettre Tricot au premier rang. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu en plus. Allez, c'est parti. Donc, c'était plutôt de ce côté, il me semble, avant la sortie. Voilà, et là je monte. Et c'était ici. Ok. Alors, allons voir ce truc. Qu'est-ce que c'est? Tac tac. Alors. Ouais, j'ai été tombée là. Par contre, c'est quoi ces trucs? C'est quoi? C'est des Pokémon ou. On va aller en haut. Ah, je peux pas les atteindre. Il faut que je descende à tout prix. Ouais, non, là c'était pour sortir après. Ouais, on va essayer d'aller là. Ouais, non, là aussi c'est pour sortir. On va essayer de l'autre côté, il y en avait un, ici, ouais, non, là aussi, ok, bon, on va essayer de monter de l'autre côté alors. Et finalement, il n'y a pas de Pokémon apparemment, j'en ai pas encore croisé. Ah, ça, je me disais aussi, c'est bizarre. Et Smogo, et ben on va t'attaquer. Hop, Smogo, on va lui faire Flamèche. Voilà. Oh. T'aurais pu mourir avec ça quand même, hein. Ok.
ça c'est bon. Donc moi je voulais aller en haut là, ici. Je peux pas passer. C'est quoi ça? On dirait que je peux le casser. Ah, une pierre peut le briser. Un Pokémon peut le briser. Ah d'accord. Attends, j'ai quoi comme c'était moi du coup? C'était Roman, attraction, coupe, surf, flash. J'ai que ça comme CS. J'ai pas encore avec la truc là. Parce que j'ai l'impression qu'il me faut ça pour que je puisse avancer. Attends, je vais retourner de l'autre côté voir. Il me semble qu'il y avait aussi un caillou. Ah! Pokémon vont être chiants. Oh, Ratata. Oh, il est tout faible. Allez, une attaque et c'est bon avec celui-là quand même. Un pec. Alors. Ouais, par contre, l'autre, je crois qu'il n'y avait pas d'autre chemin. C'était juste passer là. Et après, il y a une pierre ouais, qui me bloque en fait. Donc, je pense qu'on ne pourra pas la faire tout de suite. Le tour, il faudra y revenir avec la CS, avec la troc. Sauf que je pense que d'ici là, moi, j'aurais complètement zappé en fait. C'est dommage parce que là je voulais bien la faire, il y a l'air d'avoir des dresseurs, mais dommage. Après, quoique je sais même pas où récupérer la CS en fait. Allez, achève-le, on va sortir d'ici et on va continuer le chemin. Alors, hop, tac, ici, voilà. Je vais galérer pour sortir alors que la sortie est juste à 2 mètres, même pas. Allez, fous-moi la paix. Va-t'en. Oh, t'es sérieux? Est-ce qu'il a 2 niveaux de plus? Ça y est, il se la pète. Il survit à mes attaques. Allez, fous le camp. Je n'ai pas de ça à faire. Voilà. Bon, on est monté niveau 21, c'est pas mal. Ah ah, vive attaque. Il a quoi comme attaque? Charge. Vive attaque, je crois que c'est quand même moins puissant que charge, il me semble. Je me souviens pas. Je vais lui enlever gros yeux. De toute façon, gros yeux, on s'en fout un peu. Et voilà. Comme ça, voilà. Ok. Allez, on continue. Ah! Je vais l'attendre cette sortie. Au bout d'un moment, hein, il faut quand même que je sorte. Alors attends, par contre, hop, on va changer Pokémon. Ordre, voilà. Impec. Alors, du coup, on va sortir de la ville. Je crois que le chemin, c'est celui-là. Il me semble, je ne sais même plus. J'ai des bouchous là. Ouais, non, ça me dit rien. Attends. Ouais, non. Voler mes jolis petits Pokémon. Ah, il a cru que j'allais le voler. Ok. Ah, mais c'est des oiseaux. C'est des oiseaux. Un doudio. Alors, tu es mal tombé, mon grand. Vraiment mal. Avec un Pokémon électrique, ça va vite être réglé. Et du coup, là, par contre, je sais même pas c'est quoi la prochaine ville. Je sais pas du tout. Yes, voilà. Allez, suivant. Il envoie. Il va avoir que des deux duos en fait. Peut-être un petit trio pour la fin. Je sais pas. Ou un Piafabec. Je sens bien avoir un Piafabec aussi. Ou un Rukux. Pour varier. Ou. Comment il s'appelle, Norfang là? Je sais plus. Oud, voilà. On va voir. Attention. Ah non, ouais, il a que Dodio. Ok. Fan de Dodio. Allez. Hey, il m'attaque. Ah oui, mais poursuite, c'est prioritaire. Ok. Bon. Et bah, ça, c'est fait. Pchut. Ok. Ça n'a rien à dire. Ne parle pas. Par contre, j'avais vu un dresseur, je crois, plus haut. Genre ici, ah voilà, coucou, moi j'ai voyagé, je connais tous les Pokémon, ok d'accord, et je pense que lui aussi ça doit être un vol, non? Ah non, c'est un marin, mais il doit avoir des Pokémon aquatiques du coup,
Ah. Il n'est pas encore seul, je crois. Je crois. Ouais, non. Tant pis. C'est pas grave. On a d'autres attaques. Allez. Par contre, si ça lui fait pas grand-chose, on va changer. Hein. Ouais. On va changer. Qui je pourrais envoyer? Blue? Non, on va envoyer Titan. Allez. Ok, attaquons. Coup de boule, je pense que ça lui fera quand même mal. Pistolet à eau. Ça fait quand même mal, il me fait un petit coup critique, quoique au final ça devait pas faire si mal que ça. Enfin bon. Il en avait un ou il en avait deux, je me souviens plus. Ouais, non, il en avait qu'un. Oh, il s'appelle Isaac. Du coup, alors attends, je vais changer un petit peu les Pokémon. Toi, tu vas bouger. Ouais, tu vas laisser ta place à Titan. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je continue sur le chemin principal ou je passe par là? Bah, allons-y par là. Ah. Tu entraînes bien tes Pokémon. Tu peux me montrer comment? Bien sûr, je vais te montrer. On dirait Jessie. Ah, l'énergie. Ok. Par contre, j'avais Mickey. Ouais, si, je pense que ça va, ça passe. Ouais, vite fait. Ah bah ça m'infecte pas, tant mieux. J'ai pas vu l'attaque qui ne m'infectait pas, mais tant mieux. Éclair par contre ça me touche. Donc c'était peut-être un cage éclair qu'elle a voulu me faire. On va l'achever puis on changera de Pokémon quand même. C'est tout qu'il aurait passé 21 là. Oui, parfait. Il est où quand déjà, Titan, j'ai oublié. Psychoquack. Un psychoquack. Bon allez, on va envoyer Coton malgré tout, j'ai pas envie de me prendre la tête. Allez, éclair. Ouh. Ça fait mal. Ah non, il m'entrave. C'est pas grave, je t'ai fait le plus gros des dégâts, écoute. Je vais terminer avec un charge. Ou des charges. Ouais non, avec un, ça suffit. Au niveau 22. Oh, on l'a vu. Enfin, on l'a vu, pardon. Je vois, c'est pas mal. Et bien, si tu vois, tant mieux. Il faut que je refasse un petit peu d'organisation. Toi, tu es fatigué. Attends, je peux faire coup de boule comme ça? Attends. Attends, j'ai vu. Je peux faire un coup de boule? Impossible d'utiliser ça ici. Ah, c'est peut-être sur les arbres, là, j'ai oublié. Enfin, bref. Bon, on a remis un peu d'ordre. On va pouvoir continuer sur ce chemin. On va éviter les hautes herbes, quand même. Ah, quoique, je viens d'avoir un... Ah, attends. Ah ouais, non, il va falloir que je fasse demi-tour, de toute façon. Il m'a bloqué. Allez, un écolier, c'est parti. Monsieur Mime. Plutôt souplesse, je dirais. Ah oui, c'est vrai que souplesse est approximatif comme attaque. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et pistolet à eau, qu'est-ce que ça donne? On va essayer, dans le doute. Ouais non, on va rester sur souplesse, quoique je crois que là il va mourir du coup, j'ai mal joué. J'aurais dû le changer ou le soigner. Ça va. On va le soigner. Quoique j'aurais dû acheter des potions avant de partir, moi je suis bête. Attends, c'est dans l'autre sens. Quoique je suis pas loin de la ville, là je pourrais faire un aller-retour. Hein. Super potion du coup. Hop, on va le soigner. Parce que ouais aussi Titan, il commence à fatiguer. Allez, laisse-moi t'attaquer.
attaque. Hop, c'est parti. On enchaîne deux chocs mentaux de suite, c'est pas bon. Surtout si là, il va rater son attaque, j'imagine. Non, ça va. Ok, on l'a eu. Oh, on galbe pas mal. Ok, ok. Faut que j'étudie. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, moi, je fais un demi-tour. Je vais retourner à la ville vite fait pour refaire un petit peu le plein de potions. Parce que là, j'ai gagné un petit peu de sous. Et pour soigner aussi tout le monde un petit peu. Enfin, tout le monde. J'ai juste deux Pokémon qui sont un petit peu mal en point. Mais on est juste à côté, ce serait dommage. Ce serait bête. Alors, hop. On va au centre. Centre, où est-ce qu'il est déjà? Non. Il y a toujours un pour venir t'embêter sur le chemin, c'est dingue. Hop, centre. Voilà, ensuite on va à la boutique qui est juste au-dessus ou à côté. Voilà, ici. Ah, je loupe la porte. Donc, potion. Je vais juste en prendre 5 pour commencer. Je vais pas me fouler parce que je sais que je peux aussi avoir des rappels, non? Ouais, ici. Je peux... Oh, je peux en prendre 2. Voilà, ça me laisse 900, ça va, ça passe. Allez. On repart et on y retourne. Attends, j'ai envie de parler à lui là. Ah petit gars, as-tu appris à danser comme les kimonos? Si tu vas dans leur salle de danse, un vieil homme bizarre te donnera un cadeau. Ah bon? Ah mais c'est celui qu'on avait parlé l'autre fois. Les kimonos ne sont pas seulement bonnes danseuses aussi. Non, un Pokémon, je les défie souvent. J'aimerais que tu sois mes Pokémon. Car avec celui kimono. Ouais, bah, celui-là, on y avait bien parlé, mais et ça, c'est une grand-mère. Les kimonos sont très belles, mais elles doivent suivre un entraînement de titan. Elles doivent apprendre à suivre des règles avant de se monter en public, mais quand tu aimes quelque chose, tu es... tout est possible. Ok. Bon, elles mettent pas beaucoup, et personne ne me donne de CS ou quoi. Ça aurait été ça le plus logique pour moi, mais bon. Et ben, on va repartir de l'autre côté. Hop. Allez, et on va aller vers la prochaine ville, quoique je suis pas sûre qu'on l'atteigne, mais on va se promener. Hop, tac, j'ai encore croisé aucun Pokémon que j'essaie d'éviter, quoique là, il me semble qu'il y avait un mec, non, une meuf, et je suis obligée d'aller dans les hauts termes. On va voir ce qu'il y a un petit peu, ce qui se cache là-dedans. Oh, Miaouz, il veut faire de la boxe. Ok. Mais je ne vais pas le combattre. Ah non, okay. Il est chiant. Dans un sens, c'est un chat c'est chiant. Je le sais, j'en ai deux. Ah, t'es mignon comme un dresseur. Je peux voir tes Pokémon si tu veux, ouais. Alors, hop. 2. Elle va nous sortir des Miaouz? Non. Ça aurait pu, hein. Alors, par contre, lui, je crois qu'il va me faire mal, hein. Bon, ça va. Il n'a pas eu le temps de me faire mal. Ensuite, Floravol, je crois que lui quand même il va me faire un peu plus mal. On va changer de Pokémon, on va mettre Titan dans le doute. Ah quoi qu'il était niveau 17, bon c'est pas rien grave. Mais il peut un petit peu plus résister je pense. Coup de boule. Ouais, je pense qu'il aurait quand même un petit peu résisté, il aurait eu le temps de m'attaquer quoi que s'il me fait un mini-queue. C'est parce qu'il me fait bien mal, mais bon, on sait jamais. Si le jeu décide d'être intelligent et qu'il me fait une attaque plante, c'est double combo avec ma reste. Donc bon, si on peut éviter, je reviens du centre, ce serait bête. Oh, elle avait pas mal d'argent, dis donc. Ah bah tiens, il y a un panneau, ça va peut-être m'aider. Astuce. Bon. Vous pouvez arrêter l'évolution de Pokémon, appuyer sur le quand on est dans l'évolution. Oui, bon, on s'en fout. On le sait déjà. Alors, il y en a un autre là. Encore une astuce, route 39. Le Roselia. Je suis revenue sur mes pas ou comment ça se passe? Montrez-moi tes Pokémon tout de suite. Tu vas le regretter, franchement, ça se fait pas. Alors. Hop, souplesse. On devrait pouvoir l'avoir. Oh, il résiste bien, dis donc. Oui, bah nous on résiste encore mieux, mais bon,
Il résiste quand même mal, il va me falloir 3 attaques pour le tuer. Ah, moi aussi je fais un coup critique. C'est pas sûr. Et on monte 21. Eh, ça va, il monte vite quand même. Alors, encore un. Au niveau 20, celui-là par contre. Il va mettre un petit peu plus de temps, je pense. Ah, quoique non, je trouve il est pas à peine plus solide que l'autre. Hein. Ça va, ça passe. Ah zut, il m'a mis confus. Bon, on va changer. On va envoyer Titan. Surtout que lui, il est haut et psy, il me semble. Je peux lui faire des dégâts. Oh, attends une seconde, je vais te dire. Je suis toute engourdie, je vais aller faire la sieste après. Wouhou. Et il me paralyse. Yes, c'est génial. C'est trop cool. C'est un massacre. Oh là là, ça a été un beau massacre, oui, en effet. Il fait mal celui-là. Non, surtout pas toi. On va envoyer Coton. Allez, on va pas se prendre la tête. J'ai perdu un Pokémon là, j'ai pas envie. Et je me sens tout engourdie en plus, donc c'est pas le moment. Alors. Hop. Ok, tes Pokémon sont super forts. Les tiens non plus, étaient pas mal. Hein. Où est-ce que je suis là? Oh, c'est quoi? C'est pas un Tauros? Ah non, c'est un écrémeux. Il y a plein d'écrémeux ici. Ok, un champ d'écrémeux. Ça ne me dit rien. Par contre, attends, mais je suis où là en fait? Il y a des maisons. Ok. Il est là. Est-ce que je peux me reposer ici? J'ai perdu un Pokémon en chemin. Notre lait et non, si Fidèle me donne plus de lait, c'est la faillite. Ok, d'accord, on est dans une ferme d'écrémeux quoi. Mastine et Nana. Tant bien qu'il était bon, ils vont finir par vouloir me le vendre. Ah non, j'ai cru qu'un des deux allait me proposer d'acheter du lait d'écrémeux en fait. Mais non, ça va. Alors, on va descendre par ici. Ouf. Allez. Mes Pokémon, c'est les plus forts du monde. Je commence à fatiguer. À se voir, je crois qu'on va faire ces deux-là. Et après, on arrivera à la ville normalement. Ah, oh, tiens, il y a un petit qui a popé de nulle part. Il était pourtant tout seul. Un Pikachu. On n'en avait pas encore vu, je crois, dans ce jeu. Mais là, en plus, tu vas pas me faire grand-chose, en fait. Tu vois? Oui, bon, tu peux m'esquiver, mais voilà. Tes attaques électriques ne vont rien me faire. J'ai de la chance qu'il puisse attaquer. Cette attaque n'est pas très fiable. Oh, ça va, c'est aller vite. Bon, d'accord. Ouais, c'était très bref. Et il commence à avoir des sous, je trouve. Il y avait 1300 et quelques. Les jolis Pokémon. Allez, on se les montre en même temps. Ok. Et bah, c'est parti. Ah, elle aussi, il y a des Pokémon qui ont popé autour d'elle. Elle n'en a qu'un, tant mieux. Elle a un Pikachu aussi. Ok. Vive les Pikachu. Bon, on va lui faire souplesse aussi. Hein. Elle me fait refait aussi. Est-ce que je vais avoir autant de chance? Oui, je peux le toucher. Et on l'a pareil. En fait, bah, ça a été très expéditif. Hein. Et oui, tu as perdu. Je m'en fiche si je perds. Allez, je crois qu'on est bientôt arrivé, non? Je sais même pas où c'est qu'on est. Bon, toi, je t'esquive volontairement, en fait. Je suis désolée. Mais j'aimerais bien arriver à l'autre fil. Oh, j'y suis. Ah, attends, par contre... Ah, qu'est-ce qu'il disait? Ah non, pas de combat, là. Je suis pas prête. Encore toi? Pas la peine de paniquer. Je me tracasse pas avec des minables comme toi. En parlant de Gringalet, le champion d'arène n'est pas ici. Ah, il est soi-disant en train de s'occuper du Pokémon malade au phare. Ok. Je vais éternuer. Voilà. Bouffou. Laissons donc filer les Pokémon malades.
Un Pokémon qui ne peut pas combattre est inutile. Pourquoi ne vas-tu pas t'entraîner au phare? Qui sait, peut-être que cela te rendra moins faible. Ok, bon, tant qu'on se bat pas avec lui, ça me va. Parce que là, je pense que j'étais pas vraiment prête. Mais bon, c'est pas grave si le truc n'est pas là, on sait au moins où il est. On va aller... Non, ça c'est le shop. Moi, je veux aller ici. Pour soigner mes Pokémon. Voilà. On fera l'autre dresseur que j'ai sauté avant de finir. Et bon, ce sera là, je pense. Alors, hop. Oui, lâche-moi. Du coup, on va remonter. On va aller voir le dresseur. Je sentais que j'étais proche, c'est pour ça que j'avais pas envie. Je voulais d'abord atteindre l'arène. Et puis j'avais un Pokémon KO, ça n'allait pas. Donc, on va. Il était... Non, il était un peu plus haut. Ah, il est là. Voilà. Alors, je reviens de Holyville. Ça te dit un petit combat Pokémon? Ok. C'est parti. Pardon. Alors, t'es tarte. J'ai occulté le te à la fin, j'ai eu tartarte. par contre, faut faire souplesse là. Ah, est-ce que du coup ça sera une ville aquatique l'autre? Enfin une arène aquatique, je sais pas. On a eu quoi comme arène pour l'instant? Là on vient d'avoir spectre. On a eu vol. On a eu plante. J'ai quand même mal en fait, là je suis perdue tout à coup. J'ai complètement oublié. Oh, t'aurais pu monter niveau 22 là, franchement, tu fais des manières. Ah, t'attaques. Il est très agressif, son sprite est très très agressif, je trouve. On dirait qu'il nous saute dessus là. Il est trop bien en avant. Croc de mort, quand on dit ça. Allez, un petit dernier. Et voilà. Mais il était beau. Voilà, un pec. Oh, Krabi. On n'en avait pas encore vu. Allez, on va vite là-bas aussi. Oh, on l'a eu très vite, dis donc, pour critique. Bon, eh ben c'est bon. Ouah. Eh ben parfait. Alors, par contre, on va changer les Pokémon parce que ça ne me va pas. Ordre. Hop, Pédobière va revenir en tête. Voilà, il nous avait manqué. Alors, du coup, on va descendre ici. C'est quoi comme arène? Est-ce que c'est marqué? Champion d'arène d'Holyville, Jasmine. Ah, c'est une meuf! La fille au nerf d'acier. Ah, est-ce que du coup c'est une arène acier ou roche? On a eu un truc roche? Je sais plus, je sais pas. C'est moi le champion de l'arène ici, je suis sûre. Ça sera mon arène. Bref. Du coup. Hop, on va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Donc il y avait un phare, il m'a dit. Ah oui, je crois que je viens de le voir. Quoique, peut-être pas. Bon, là, il y a des petites mazones. Là, au moins que ce soit un grand magasin. Ah non, c'est bien le phare. Bon, on ira le voir par, au prochain épisode, par contre. Là, je veux un petit peu regarder ce que j'ai. Donc là, ok. Ah, là, on pourra surfer plus tard, j'imagine. Oh, du coup, elle est grande cette plage, dis donc. Et toi, tu es toute seule. Irisia est de l'autre côté de la mer. Oh, ok. Là aussi, on a des pierres qu'on peut casser. Est-ce qu'on va... Il y a moyen que je trouve la CS pour casser les pierres ici, dans cette ville. Faudra que je regarde peut-être sur le net... Pour éviter d'avoir à chercher dans toute la ville, faire maison par maison. Ah, quoi qu'il y a un... Est-ce qu'il va me donner une canne, lui? Tu traverses la mer avec... Il y a des tourbillons sur le chemin d'Irisia. Ton Pokémon doit connaître une capacité spéciale pour permettant de sortir des violents tourbillons. Ah, d'accord. Je me souvenais pas de ça. Lui, peut-être? Ah, tes Pokémon ressemblent à des poids-plumes. Ils n'ont pas la force de déplacer les rochers. Oui. Tiens, apprends leur force. Ah, tu auras besoin de badge de la reine de volume pour l'utiliser. Hors des combats. Oh, ok, j'ai force.
Mais là, il faut que je pulvérise les cailloux, en fait. Il faut, je peux les déplacer, à moins que j'ai mal compris. En mer, la seule et unique chose sur laquelle tu puisses compter, c'est toi-même. Et moi, je me fais bien confiance. Ok, d'accord. Bon, j'ai trouvé la CS assez vite. Je pense que ça sera la seule. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une deuxième, même si j'ai envie de faire un petit peu toutes les maisons. Il n'y en a pas tant que ça avant de finir cet épisode. Comme ça, ça sera fait. Et la prochaine fois, on pourra direct aller au phare. Attends, je vais te parler. À chaque fois que je fais des bêtises, papa me dit qu'il va m'y envoyer et moi, j'ai peur. Où ça? T'envoyer où? J'ai pas compris. super le chemin d'Irisia, il y a 4 îles désertes. Les petites canailles y sont emmenées en guise de punition. Ah ok, d'accord, c'est l'histoire croque-mitaine pour que sa fille se tienne tranquille. Ok, d'accord. Ah bah tiens, un pêcheur. Salut, je cherche ce Pokémon. Si tu as Krabby, peux-tu l'échanger contre Voltorb? Alors non, les échanges, coup-ci, coup-ça maintenant. Hein. T'en as pas non plus. Pff, zut. Tant pis pour toi, écoute. Mais on sait qu'on peut avoir un Krabby ici. Mais avec la déception de Rocky, je dois dire que je ne suis pas prête à avoir notre Pokémon. Encore un! Est-ce que tu vas me donner une canne, toi? Yvil est sur la mer, et si c'est la mer, c'est qu'on peut pêcher. Ça fait 30 ans que je pêche ici, mon petit gars. La pêche, c'est mon hobby, même que des fois, eh ben, ça mord, et hop, une chaussure trouée. tu veux essayer? Ah oui. Ah, voici une nouvelle recrue dans ce hobby. Formidable. Reçois super canne. Oui, je savais que je pouvais l'avoir. Il me semblait qu'il y avait trop de mecs... Enfin, de pêcheurs, quoi. On ne trouve pas seulement des poissons en mer. Ils sont malins et vont partout où il y a de l'eau. Ok, d'accord. Du coup, c'est la reine. Est-ce qu'il y avait une maison à l'entrée? Je me souviens plus. Ouais, non, après, ça part sur le chemin. En dessous, je crois qu'il y avait deux maisons. Quoique à côté de... Ouais non, je l'ai faite aussi celle-là. Ouais, moi je crois que j'ai tout fait. Ici, c'est le chemin qui continue. Donc non, on va pas y aller tout de suite. Et ouais, ok, d'accord. Ok, bon, je suis allée faire un petit tour au centre. La prochaine fois, je pense que là, hors caméra, je vais quand même faire un petit peu XP mes Pokémon. Genre les monter niveau 25, je me dis que c'est pas mal déjà. C'était le plus gros de l'arène précédente, le plus haut niveau. Donc je me dis que c'est pas mal. Et après, du coup, bah ici, on ira faire le phare. Et on ira voir du coup bah, cette championne d'arène qui est de type acier normalement, si je me trompe pas. On verra bien, après j'ai peut-être mal compris. Mais du coup, bah, on va se laisser là et je vous dis à la prochaine. Salut !